Dans le cadre d'Octobre Rose, pour le dépistage du cancer du sein, une randonnée vélo familiale était organisée dimanche 16 octobre sur les voies vertes, au départ de l'hôtel de ville de Mézières. Cette opération était mise en place par la ville, Haye-sur-Moselle, l'association Les Vélos d'Haye, avec comme partenaire Raphaël Lorraine et bien entendu Amodemas, l'association Mosellane, pour le dépistage des maladies cancéreuses. Il faut savoir que notamment notre département, la Moselle, n'est pas le meilleur élève dans ce domaine, puisque seulement 46% des femmes en âge de faire ce dépistage le font, c'est-à-dire même pas une femme sur deux, ce qui est donc important à répéter sans cesse, puisque nous savons que 8 femmes sur 10 dans sa vie pourra être touchée par cette maladie. En revanche, quand il y a dépistage, 9 cas sur 10 sont guéris. Je voulais terminer sur cette note positive. Plus d'une trentaine de cyclistes étaient donc là pour réaliser cette randonnée et faire parler du dépistage contre le cancer du sein, qui est essentiel pour toute femme à partir de 50 ans. Après le coupé de ruban par Julien Fréburger, maire et conseiller départemental de la Moselle, place au coup de pédale, direction les voies vertes. Une action militante de ses participants qui se déroulait sous un soleil radieux en ce dimanche après-midi.